Après une semaine de souffrance, d'inquiétude et de résistance, la nation burkinabé a repris hier sa marche historique. Une journée marquée par la remise en route de la transition avec à sa tête le président Michel Kafando. Un retour unanimement salué de tous les côtés. Les réactions dans ce journal. Et puis même si le cœur n'y est pas vraiment, les musulmans célèbrent aujourd'hui la fête de l'Aïd el-Adha ou la fête du sacrifice du mouton. La grande prière a eu lieu ce matin exceptionnellement au stade municipal. Cohésion sociale et paix étaient au centre des invocations. Une journée de fête marquée par ce drame en Arabie Saoudite en marge du Hajj. Une terrible bousculade s'est produite aujourd'hui sur le site de Mina. Le bilan est effroyable. Les autorités saoudiennes annoncent plus de 700 morts et plusieurs centaines de blessés. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Toutes nos excuses pour ce faux départ dû à des problèmes techniques. Et une fois de plus, bonne fête à tous les musulmans du Burkina Faso. Hier, mercredi, a été une journée historique pour le Burkina Faso. Dès les premières heures de ce coup de force du RSP, le peuple burkinabé est entré en résistance dans toutes les villes. C'était la grande mobilisation pour dire non et exiger le retour des autorités de la transition. Et ces choses faites depuis hier, nos confrères de Bobo Dioulasso ont tendu leur micro aux citoyens dans les rues de la ville. Suivez leur réaction. Je pense qu'il faut donner à César ce qui revient à César. Alors, ceux qui ont voulu effectivement voler la victoire au peuple burkinabé doivent reconnaître qu'ils n'ont pas leur place parmi nous. Parce que le peuple burkinabé, en tant que peuple intègre, doit être digne. C'est un acte qui va droit au cœur. Parce que depuis le 16 septembre, c'est vraiment le choix de tous les Burkinabés. Vraiment, on s'inquiétait parce qu'avec l'arrivée de la rentrée, bon, si vraiment la situation ne se décantait pas, ce n'était pas bien pour les élèves et les parents d'élèves. Nous ne voulons plus que, ici au Faso, un groupuscule puisse prendre en otage tout un peuple. Nous sommes 17 millions de Burkinabés. Nous saluons ce qui vient de se passer. Quand on parle de dialogue, c'est ce qui fait la force de l'Afrique, c'est ce qui fait la force du Burkinabé. Pour nous, le présent était toujours, sa présence était toujours d'actualité. Alors, il y a eu, le poste était vacant quelques minutes, mais je pense que le président du CNT, Chérif Sy, a su jouer correctement son rôle, il a pris la relève. Et donc, pour nous, il n'y a pas de discussion. Chérif Sy avait été très clair sur ce point-là. Dès lors que le président Kafando sera libre de ses mouvements, il lui remettra voilà, le pouvoir et ça a été chose faite. Et à l'issue des concertations menées hier sous l'égide de la CEDEAO, nous vous proposons les réactions des ambassadeurs de France et des États-Unis au Burkina. Les deux diplomates saluent ce dénouement et se disent disposés à accompagner le peuple burkinabé pour une sortie définitive de la crise. Pendant 3 ou 4 jours, c'était comme si on piétinait, on était sur place. Aujourd'hui, quand même, c'est comme si on commence à faire un pas de l'avant. Bon, est-ce qu'on est déjà, est-ce que c'est la solution finale? Non. C'est un pas de l'avant et on va continuer à travailler sur ça. Aussi longtemps que les Burkinabés travaillent ensemble, aussi longtemps qu'ils dialoguent, je crois qu'on peut arriver à une solution. J'ai déjà dit et je le répète encore, c'est qu'au problème réel, nous voulons une solution burkinabé. C'est ce que nous appelons en anglais « homegrown solution ». Nous tous, les étrangers, etc., nous ne pouvons pas créer la solution, nous ne pouvons pas imposer une solution. Donc, une solution choisie par les Burkinabés, c'est cette solution que nous allons accompagner. Et vous arriverez là aussitôt, aussi longtemps que vous avez un dialogue, mais un dialogue dans le cadre paisible, où il y a la paix. Les gens peuvent vaquer à leur fonction normale et les gens peuvent continuer à dialoguer. Il n'y avait rien d'impossible là qu'on ne pouvait pas résoudre avec le dialogue. Oui. Toutes les questions sont sur la table. C'est le président Kafando qui aujourd'hui a repris ses fonctions, qui va avec les Burkinabés y apporter des réponses. Et la communauté internationale, la France notamment, seront à ses côtés. Le Burkina est un peuple qui a une longue histoire et qui a démontré son aptitude au dialogue en toutes circonstances. Donc je suis confiant pour la suite des événements et j'appelle vraiment, la France appelle, toutes les parties prenantes à dialoguer, à regarder devant,
avec beaucoup d'espérance, en ayant en tête qu'une seule chose, c'est le bien commun des fils et des filles du pays des hommes intègres. Réaction également de quelques acteurs politiques. Tous espèrent très vite tourner la page de la crise née du coup d'état du RSP. Ils espèrent également une reprise rapide du processus électoral pour un retour du pays à une vie constitutionnelle normale. Nous considérons que nous avons juste eu une parenthèse dans des turbulences certes, une parenthèse où nous avons eu des morts. Nous nous inclinons devant leur âme. Mais nous disons que nous continuons toujours pour l'ancrage démocratique. Nous espérons évidemment aller directement continuer notre campagne électorale et que ces perturbations restent derrière nous, que nous nous battons toujours. En 72 heures, grâce à l'accompagnement de la CEDEAO, nous voilà dans un Burkina Faso où la démocratie, où la légalité viennent d'être restaurées, avec la remise en selle des institutions de la transition, en commençant par la reprise de fonction du président de la transition, Michel Kafando. Que demande le peuple? Maintenant, il faudrait que nous, Burkinabés, nous acceptions d'être responsables pour les quelques questions qui restent à régler, que nous asseyions ensemble dans une concertation de façon engagée, que nous apportions sans calcul politique les solutions qui ramèneraient la paix et la stabilité dans notre pays. C'est un message clair. Plus rien ne peut s'opposer à la marche radieuse du peuple vers la restauration de la démocratie, vers la restauration de la justice et vers la prise en main de la destinée de notre nation. Voilà, les propos des diplomates et des acteurs politiques ont été recueillis par Ernest Kambiré. En ce lendemain de fin de putsch, les musulmans célèbrent la fête de l'Aïd el-Adha ou le sacrifice du mouton. Même si le cœur n'y est pas vraiment, les fidèles se sont retrouvés ce matin au stade municipal pour la grande prière. Un seul mot au centre des invocations, la paix pour que plus jamais le Burkina ne revive pareille épreuve. Gérard Sommet, Draman Dadian. Tous convergent vers le stade municipal de Ouagadougou pour la prière de l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski. J'habite un quartier qu'on appelle Ouidi, mais j'ai voulu venir ici pour communier avec la majorité, avec les autorités, pour remercier d'abord l'Éternel d'avoir permis cette situation et de l'avoir réglée. Parce que quand l'Éternel commence quelque chose, il finit. Allahu Akbar. La mobilisation n'a donc pas failli, malgré la situation sociopolitique actuelle. Après les deux rakats dirigés par l'imam de la grande mosquée de Ouagadougou, ces musulmans, avec à leur côté des représentants d'autres confessions religieuses, ont prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina. Le grand imam a donné un message très fort. Il a montré jusqu'où, dans quelles difficultés notre pays se trouvait. Et grâce à nos prières, Subhanahu wa Ta'ala nous a facilité cette fête-là. Et encore une fois de plus, les prières, toutes les bénédictions des Burkinabés nous ont amenés à retrouver la paix, à retrouver la concorde et nous allons développer justement cette fraternité et cette cohésion sociale. Vous voyez, le stade est plein. Eh bien, nous avons dit c'est Dieu qui est au cœur de notre vie. C'est lui qui nous guide. À ce moment, nous n'avons peur de rien, nous n'avons peur de personne. C'est ce témoignage que nos frères musulmans ont donné. Et nous venons leur dire, au nom du cardinal Philippe Ouédraogo et de toute la communauté chrétienne, félicitations pour cette manifestation de votre foi. Que Dieu vous bénisse et que nous continuions ensemble de supplier Dieu de nous donner une paix durable. L'Aïd el-Kébir ou la fête du sacrifice. Sans déroger à la tradition, le mouton a été immolé sur place en hommage à la soumission d'Abraham à Dieu. Le top de départ ainsi donné à chaque musulman d'en faire autant. Et c'est le moment de partage et de générosité envers les pauvres et les nécessiteux. Voilà un terrible bilan qui ne cesse de s'alourdir. Les autorités saoudiennes annoncent à présent plus de 700 morts et des centaines de blessés. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Passez un bon après-midi en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.